Je vais vous expliquer aujourd'hui la nouvelle leçon que je vous ai donnée des fiches hier. L'adjectif qualificatif. On a deux genres, trois genres d'adjectifs qualificatifs. Faites bien attention. On a épithète, attribut et apposition. Alors, on a expliqué l'adjectif qualificatif avant. On a dit que l'adjectif qualificatif qualifie le nom. Qualifie le nom, yani hu am yusuf nom. Yani masalan, un joli pantalon. Une belle robe. Fa'ezan, joli qualifie pantalon. Joli la mine, mine en tout sauf pantalon. Une belle robe qualifie robe. Regardez, joli. Mahatayne la e, pourquoi? Parce que pantalon est masculin singulier. Une belle robe, robe féminin singulier, elle n'a belle, ou elle n'a l'aucun. Fikil mihon est masculin singulier, que mahatayne a beau, non pas belle. Alors, on constate que l'adjectif qualificatif qualifie le nom et s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. S'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. يعني بتعلق بالنوم اللي عم يوصفه en genre et en nombre. يعني حسب إذا كان masculin بنحط l'adjectif masculin, إذا كان singulier بلا S, إذا كان pluriel بنحط S. يعني إذا بدي أعمل أنا هون pantalon بدي حطها بالبلوريال أو بدي أقول دي et propre, نغير الجملة, des propres livres. فإذا صار عندي هون pluriel, livre masculin, pluriel, et propre لازم تكون masculin, pluriel, حطينا S. Propre هي عطول بتاخد E. D'accord? بالفيمينين وبالماسكولين. Autre, مثلا, des, أو les, les belles robes. Alors, robe ici, féminin pluriel. On a mis l'adjectif féminin pluriel. Haïda Shumin Sami, des propres livres, les belles robes, un joli pantalon, une belle robe. Haïda Min Sami, épithète. Épithète. Shumin Sami, adjectif qualificatif, épithète du nom. Épithète du nom, yana am yusuf le nom. هلا منشوف الاتريبيو منفهم الفرق بيناتهم. Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif attribut? Comment? Par exemple, il est grand. Et grand qualifie quoi? عمين عم نقول grand. عم نقول عن il. طيب كيف يصير الادجكتيف هون الكاليفيكاتيف كيف يصير اتريبيو؟ بيكون في عندي verb d'état. هيدا بنسميه verb d'état. verb d'état هيدا الverb بيوصف الحالة بنسميه état حالة يعني. مثلا il est grand. Il semble petit. مبين صغير. Semble, verb sembler. C'est un verb d'état. بس كون عندي verb d'état بصير الادجكتيف كاليفيكاتيف attribut. هيدا adjectif attribut. D'accord? فإذا شفتوا الفرق بين l'attribut et l'épithète. Dans l'adjectif qualificatif attribut se trouve un verbe d'état. C'est pour cela l'adjectif est nommé attribut. Dans l'adjectif qualificatif épithète, il n'y a pas un verbe d'état. L'adjectif tout de suite qualifie le nom. D'accord? Type. Quels sont les verbes d'état? On a 8 verbes d'état. Être,
paraître, sembler, demeurer, devenir, avoir l'air, passer pour. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, être, paraître, sembler, demeurer, devenir, avoir l'air et passer pour, ce sont des verbes d'état. بس يمرق أي verb من هود الverbات بالجملة بصير الأدجكتيف اللي وراء attribut بنسميه attribut. D'accord? Qu'est-ce qu'un adjectif qualificatif apposé? Apposé مثلا بقول beau. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Comme est venu dans vos livres de grammaire, مثلا